Ouais, au passant, là, ouais, je voulais t'interroger là-dedans. C'est quoi les règles, là? Oui. Et y a-tu de la place pour les gars de comme moi qui veulent faire de la radio? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une voix radio-stopique. Comment? Radio-stopique. Non, c'est radiophonique. Ouais, c'est. Et toi, toi, tu connais les vrais mots, hein? C'est. Moi, je suis pas encore dans le métier, ouais. Comment tu fais? Comment t'as fait, toi? Moi, j'ai couché. C'est pour ça que t'as couché? Pour ça, t'as un poste à CKRL? Non, ben, je sais pas les autres, là, mais moi, oui. Ben, voyons donc, toi, avec qui t'as couché? Il y avait un silence. Avec qui t'as couché? Oui, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Ben, non, c'est parce que moi, j'aimerais ça j'aimerais ça en faire, moi aussi. Oui, alors, je vais vous donner la recette. 2 œufs battus. Non, c'est pas une recette que je... Comme, ben oui, c'est une recette, mais c'est pour pénétrer ici. Avez-vous couché avec quelqu'un? Ah non, pas encore. Alors, avec qui je dois m'étendre pour... Ben, premièrement, là, c'est moi qui passe les auditions, donc vous n'avez pas vraiment de chance. On cherche plutôt des animatrices. C'est de la discrimination. On m'a dit qu'il y avait une voix radiophonique, moi. Ah oui, ben c'est vrai, vous avez une voix... beaucoup plus faune que... On sent l'animal en vous, hein? Le tigre, hein? C'est... Ouais, c'est... Moi, c'est très présent, le tigre, chez moi. Mais... mais c'est pas ça, là. Comment ça paye, puis... qu'est-ce que ça donne, puis à un moment donné, on devient quoi? On devient comme moi. Non, c'est pas vrai, toi. Je suis plus certain, là. On devient comme toi. Mais y'en a, toi, ça veut dire que c'est quand même hein, à la sueur de sa vie. Oui, à la sueur de sa vie. Là, c'est plutôt la sueur de son front. C'est la sueur du front. Ouais, fait fond. Ainsi, fond, les petites marionnettes. Ainsi, fond, 3 petits tours et puis cochon. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que... Oui, ben, en fait, tu sais, on cherche pas vraiment d'animateurs. On cherche des animatrices, mais... Et c'est moi qui passe la première audition. Et par la suite, je soumets le projet à la personne appropriée. Voyons donc, c'est quand même, hein, c'est pas facile, hein, c'est... Non, c'est vrai que c'est pas facile, mais... Non, mais c'est vrai que, également, 2 fois c'est vrai, là. Faut pas se répéter à la radio. Mais toi, t'as-tu gagné des prix de répétage, toi? Oui. Oui, j'ai eu le prix 2007. J'avais dit 2000 fois. 2000 fois en combien de temps? 15 minutes. Parce que, la preuve, j'ai allongé le E et les gens comptaient ça comme plusieurs petits E. Là, comment tu comptes ça, toi? On aimerait savoir, nous, les gens qui ne sommes pas dans cette jungle, comme tu disais tout à l'heure. Non, ça, c'est faux. Oui, c'est ça. Ben alors, si vous voulez devenir animateur, je ne répondrai pas à votre question. En parlant de phone, prenez le téléphone. OK. Puis là, je signale. Faites le 0. Faites le 0, puis demandez qu'on vienne vous aider. Ouais, parce qu'il faut m'aider, moi, là. Je sais pas comment faire, puis... J'ai regardé sur les pamphlets, puis il n'y en a pas, hein, il y en a. Non. J'en ai pas encore rédigé un, mais j'y travaille. C'est quoi? C'est l'abécédaire de l'animateur hebdomadaire? Oui, l'abécédaire de l'animateur hebdomadaire, exactement. Et c'est comment j'ai gravi. T'as gravi, toi? Oui, comment j'ai amené cette gravité hein, dans l'animation et également la propulsion. C'est très important, la propulsion. Tu dis des affaires que je comprends pas. Voilà. Non, mais c'est normal. Mais je vais rendre ça accessible pour tout le monde, pour vous. Merci. T'es vraiment... Tout le peuple planétaire francophone te remercie et on te la souhaite, hein? Ben, merci.